En visite à Jegenchor, le ministre de l'Industrie et du Commerce, après avoir tenu un CRD avec les acteurs de la filière Anacad, a effectué une visite de chantier ce vendredi 24 mai à l'agropole de Banganga dans la commune de Adayane. Je dois dire que je suis impressionné par l'avancée des travaux et vous dire aussi que cet agropole est extrêmement important dans le cadre de la politique que le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko veulent dérouler pour les 5 prochaines années. Pourquoi c'est important? Parce que si vous regardez le potentiel de la Casamance, il est presque illimité en matière d'agriculture, en matière d'élevage. Par contre, on a vu que depuis 65 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans le domaine de l'industrie. Or, le rôle de l'industrie, c'est de transformer des produits à haute valeur ajoutée. L'anacard qu'on vend aujourd'hui à 700 francs, en réalité, permet de produire, s'il est transformé, une valeur de 10 000 francs à 15 000 francs. Donc, vous voyez qu'on a des valeurs de 10 fois à 15 fois plus importantes que nous voulons maintenant faire. Et pour faire cela, il n'y a pas de secret, il faut créer des agropôles dans chaque département. Notre gouvernement va créer en réalité dans chaque département du Sénégal un agropôle de cette nature qui va avoir un volet industriel de transformation des produits locaux. Dans le cadre de l'agropôle du Sud, c'était la mangue qui est un produit phare de Casamance, c'était l'anacard qui est un autre produit phare de Casamance et c'est d'autres produits que nous allons également ajouter. Mais je viens de dire tout à l'heure à M. le directeur qu'on ne va pas s'arrêter seulement à ces produits végétaux, nous allons aussi ajouter des produits animaux tels que la volaille, l'aviculture, tels que l'élevage bovin, tels que d'autres produits en tout cas qui ont des chaînes de valeur importantes. Cet agropôle permettra de lutter contre le chômage des jeunes avec la création de plusieurs emplois. L'autre volet que nous voulons régler, c'est aussi fixer les jeunes de Casamance. Il n'y a aucune raison que les jeunes d'une région aussi belle, aussi agricole, aussi verte, qu'ils doivent quitter cette région pour aller trouver du travail quelque part ou aller même se suicider justement en allant vers l'Europe. Donc nous voulons créer des milliers et des milliers d'emplois de Oussouy jusqu'à Kolda, en passant par Bignona, Ziguinchor, Mlomp, voilà, dans toutes les régions de Casamance. Donc je dois dire également que le concept de cet agropôle, il est assez innovateur parce que c'est un système qui permet à la fois de faire de la recherche et de développement, produire des plantes d'anacarde pour les agriculteurs avec l'ISRA, mais également permettre d'avoir des plateformes de transformation de l'anacarde en produits finis, de la mangue en produits finis, en jus de mangue, en marmelade de mangue. Donc ça permet aussi d'aider les femmes de Casamance qui sont sous forme de GIE à aussi avoir des financements et bénéficier aussi de ce cadre-là. Les jeunes universitaires pourront, à travers cet agropôle, se former et créer des entreprises. Enfin, il sera aussi un cadre pour les universités, pour les étudiants, pour venir se former, pour venir créer des entreprises. C'est pour ça qu'il y a un modèle SCE qui sera un modèle justement de création et d'incubation des jeunes qui veulent créer de la valeur. Donc c'est un modèle que nous voulons maintenant dupliquer sur l'ensemble du territoire. Jusqu'ici, on parlait de l'agropole du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Nous allons en faire maintenant 45. Il y aura 45 agropoles dans les 5 années qui viennent. D'abord 8 dans les 8 pôles de notre projet politique que vous connaissez bien. Ensuite dans les 14 régions et dans les 45 départements. Donc ça c'est un modèle qui va nous servir en réalité de test, d'échantillonnage. Et l'objectif c'est vraiment de créer de la valeur, de créer des emplois et de créer de la richesse au niveau de la Casamance. Avec l'exécution des travaux qui est de 50 à 55%, le ministre de l'Industrie et du Commerce souhaiterait inaugurer l'agropole à la fin du mois d'octobre. Alors voilà, le niveau est aujourd'hui de 50 à 55% d'après le rapport que j'ai eu. J'ai demandé au directeur que j'aimerais bien à la fin du mois d'octobre de revenir ici pour, avec le président de la République et le premier ministre pour inaugurer cet agropole. Parce qu'il n'a duré que trop longtemps. Vous savez que ça fait 5 ans maintenant que ce projet était en négociation. Je voulais en profiter d'ailleurs pour remercier le partenaire de la BAD et la BID, la Banque de Développement, qui nous ont beaucoup aidés. Féliciter aussi l'équipe dirigeante, le directeur et ses adjoints. Mais vous dire que nous allons inaugurer cet agropole cette année parce que nous avons besoin, la Casamance ne peut plus attendre, nous avons besoin de créer de la valeur, nous avons besoin de créer des débouchés pour les agriculteurs, les producteurs de mangue, les producteurs également d'anacarde. Et je peux vous dire que cet agropole va maintenant aller très loin et très vite, on va l'inaugurer. Mais on ne va pas s'arrêter en
aussi bon chemin. J'ai demandé au directeur d'accélérer aussi l'agropôle qu'on va faire à Kolda. Le site de Bignona va être amélioré. Également, Oussouy, j'aimerais qu'il fasse partie de, justement des pôles, parce que je ne veux pas qu'on laisse aucun département en rade, en casemance ici dans le développement industriel que nous prenons et dans le développement commercial. Vous avez vu aussi que nous, en tant que ministère, nous sommes maintenant ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc ça veut dire que nous allons aussi créer des plateformes commerciales de distribution, de stockage, avec beaucoup de magasins de stockage, non seulement de l'Anacar, mais de tous les produits de Casamance, des magasins froids pour augmenter le stockage en matière de légumes, de frais. Donc il y a tout cela qui va être prévu dans le cadre de l'agropole. Face au manque d'emploi, les populations de la Casamance et du Sénégal de manière générale attendent avec impatience la fin des travaux de cet agropôle.